Bonjour à tous. Prochaine vérification ce matin. C'est la première fois que j'en fais un de ceux-là. Un gris pain. Je pense que c'est un... Canadian General Electric. 600 volts. 111 watts. Non, ça c'est le nombre de... Non, c'est le modèle 600. C'est un 120 volts. C'est écrit en tout petit, là. En tout cas, ça me fait rire, parce que là, première chose, j'ai changé la prise, parce que la prise était finie complètement. Mais ça marche qu'avec un timer en français. Une minuterie. Bon, une minuterie mécanique. On l'entend. J'ai resté assez surpris quand j'ai entendu ça. Là, j'ai changé ça, mais là, il est dur à descendre. Là, on l'entend. Je peux augmenter la vitesse de la minuterie. Ou la réduire. Là, on voit qu'il remonte. C'est assez spécial. Donc, on peut la remonter en tirant dessus. Mais la minuterie reste le temps là. Mais là, j'ai fait mes tests, puis même avec la nouvelle prise, il fonctionne pas. Fait qu'on va aller voir en bas qu'est-ce qui se passe avec. C'est assez spécial, ce grille-pain-là. Je vais aller vérifier au niveau des éléments, si c'est pas d'autre chose qui fait que ça l'empêche de fonctionner. Je pense qu'il n'y a même pas de vis. C'est juste ça qui tient ça. Ça se peut-tu? Ben oui. Mais comment c'est branché? Les éléments ont de l'air ici et là. Je vais vérifier la continuité des éléments pour commencer. On va changer de caméra pour que vous puissiez voir comme il faut ce que je fais. On l'entend assez clairement. Hein? On va mettre ça ici. On va replacer la caméra un petit peu. Bon. J'ai deux branchements ici pour les éléments, puis deux autres là. Donc, on va vérifier premièrement la continuité. Ça, c'est la première chose à faire. Pour savoir si c'est pas une question de... deuxième fil, là, ici. Bon. Maintenant. Oups, il était déjà... Cet élément-là est correct. Cet élément-là est correct. Donc, c'est ailleurs que le contact se fait pas. Là, il va falloir que j'aille démonter le grille-pain pour aller voir ce qui se passe. Mais il est tellement dur, là. C'est là-dedans, ici. Il y a même des nouveaux de ressorts. OK. Il est au troisième. C'est un genre d'ajustement, ça. On va démonter ça. Une bonne nouvelle, je suis content que les éléments soient corrects. Ça, d'après moi, ça vient tout ensemble. Ça, là, d'après moi, là, il cherche à sortir. Mais c'est le toaster au complet. S'emmener. C'est ça. Première fois hein, que je démonte ce grille-pain-là.
Là, on peut enlever ça. On peut enlever ça. On peut enlever ça. On peut enlever ça. Ça, je vais pouvoir. Ah, mais je viens de comprendre pourquoi je pense qu'il n'y a pas de contact. C'est lousse, lousse, lousse. On va le démonter, là. On va s'assurer que c'est bel et bien ça. De toute façon, je vais comprendre le fonctionnement. Et voilà le toaster. Ça, c'est seulement les fils, les contacts. Donc, on l'a ici. Hey. C'est pas évident à craquer, par exemple. Hein? C'est ça ici qui est dur, le timer. Puis même, il a été forcé, on dirait. Il a été forcé dans ce coin-là. Je sais pas pourquoi, là. Ah, je viens de comprendre, ils sont là. C'est deux gros contacts qui sont là. C'est bien fait, par contre. Il y a deux gros contacts, là. Là, si je viens, pour savoir si c'était bel et bien juste mes contacts qui faisaient défaut. En plein ça, 20 ohms. C'était juste ça. C'était juste les contacts qui étaient mal branchés de ce côté-là que je vais refaire pour que ça soit parfait. Mais tant qu'à être là, c'est sûr qu'on ne peut pas mettre de l'huile là-dedans, là. Ça prendrait peu. Là. Je peux par contre nettoyer ça un peu pour que ça fonctionne le mieux possible. Puis après ça, remonter ça là. Et voilà, il est rendu au bout. Ça remonte, mais là, j'ai enlevé le spring. Là. On va laisser aller pour s'assurer que tout fonctionne bien. Je vais le nettoyer au contact cleaner. Que je vais laisser sécher bien comme il faut. Ça va fonctionner comme un œuf. On va le laisser fonctionner un peu. Bon ben, deux autres beaux toasters de réparer ce matin. Là, je vais lui faire un beau petit nettoyage esthétique avec du nettoyeur à Sanco. Ils viennent comme des neufs. Lui, c'était pas grand chose, c'était juste une broche à placer. Qui avait comme eu la vie dure. Puis lui, c'était vraiment de le réparer. Hey! Il vient de sortir. Là, je viens de me rendre compte que. Ok, il y a une autre vis. Il manque une vis ici. Je pensais qu'il y avait juste une vis. Mais non, il en manque une. Je vais essayer d'y en trouver une. Il va aller là. Je vais nettoyer, là. Celle-ci. L'autre, on va attendre qu'il refroidisse. Ce nettoyeur-là, là. Wow! Pour ces appareils-là. Beaucoup mieux qu'il était. Et voilà. Et de un. De nettoyer. Il va me rester le deuxième. Merci. Bonne fin de journée.